Emmanuel TV, Haiti Earthquake Relief. A group of residents to the Arcahi area came to Clinique Emmanuel to formally meet the team and assure the team of their support. Nous-mêmes, nous pensons que le groupe est un groupe de support qui est lié à le projet Emmanuel TV. Et le groupe a disposé, encadré le projet dans tout développement, dans toute démarche que nous avons pendant que Emmanuel TV a fait démarche, le groupe est capable de supporter. Okay. Juste même que nous avons besoin de déplacer, nous prenons le port au prince, nous avons pris la machine, nous avons allé, nous avons couru Emmanuel TV. Tout côté l'a fait des marches de façon que l'instance gouvernementale est capable de voir que AKA a besoin. En un mot, on a dit Emmanuel TV, nous avec lui. Et notre plan Emmanuel TV, il est arrivé l'autre terrain toujours. Peu AKA est prêt de tout couler pour le bâtiment. Emmanuel n'a pas besoin de faire plus ça, pas de magistrat. C'est pour nous parce que nous ne sommes pas les copains de la Nous avons fait tout le monde de la Comme nous-mêmes. Nous sommes petits, bon Dieu, tout le monde qui parle de la santé, nous comptons tout. Pour nous pour Emmanuel TV. Yeah. Emmanuel, this is Kara reporting for Emmanuel TV, and we're here in Arcahi, Haiti. We just had a meeting with the community. We are going to be given this land here that we are currently on here in Arcahi, Haiti. So we had a meeting with some of the members of the community who came here to say how happy they were and to say that they support us being here in their community. So we wanted to speak to some of the members here that had spoken in the meeting to tell us what they think about Emmanuel TV being here in their town of Arcahi, Haiti. So can you just introduce yourself, tell us your name and your position in the community? Non pas moi, c'est Corio Langeli. Tout nom bosson même c'est charpentier. Emmanuel TV c'est une nan pi gros bagage bon Dieu était capable voyer pour nous. Bon, nous pas dit que mon Arcahi pas dit à partir tremblement de terre en fait nous en pile mal Arcahi, mais à partir de Emmanuel TV et bon et tremblement de terre envoyé pour nous c'est une plus gros support que tremblement de terre en bas nous l'elle passé. C'est pas parce que nous connaissons nous va faire cob à Emmanuel TV mais le niveau santé pour ça ne pas jamais bien c'est pas ça qui fait presque tout mon Arcahi fin mourir. Nous gien makouklou nous gien gros pied nous gien toute qualité bagaille et même le nous font petit accident dans ville là. Nous n'avons pas l'hôpital qui pour prendre soin de nous. Nous sommes obligés de courir descendre juste Saint-Marc pour nous prendre soin. Et nous avons les mêmes moyens de transport. Nous n'avons pas dans le niveau machine. Depuis l'an août, nous avons été mourus. Mais pendant que Emmanuel TV vient là, on sait des filles. Nous avons qui sont enceintes. Les poumons ont accouché. C'est césarienne qui fait. Nous avons demandé nous 2 à 3 000 dollars haïtiens. Et nous ne comptons pas même 500 gouttes pour nous mettre de gaz dans la machine. Pour nous avoir. Mais pendant que Emmanuel TV vient là, madame, nous avons un problème. Accouchement, c'est trapé sans pénis. Comme nous, pendant que Emmanuel là, pour service Emmanuel, il est en bail. Et pour ça, il est pour continuer bail. Parce que nous, chita avec Emmanuel, nous entendons ça, staff là, voulait faire pour Arcahi. Eh bien, terrain ça, nous y est. Nous connaissons que c'est terrain l'État qui est. Là, nous dit l'État, nous dit population. Ça veut dire que c'est l'État. Mais nous-mêmes, ici, nous t'avons aimé que Emmanuel TV font gros tonton l'hôpital pour hospitaliser tout le monde à Arcahi parce que nous avons besoin de l'hôpital. Nous n'avons pas de bagaille comme ça même. C'est ça qui rend nous presque fin mourir à tout genre de maladies. Parce que l'hôpital nous besoin. Nous avons tellement besoin de gros l'hôpital. Nous avons terrain, ça a un droit trop petit. Tout reste de à ce tel état qui est lié. Okay. D'ailleurs, côté Emmanuel a gardé qui vient banan, non? Nous-mêmes. Nous prêts pour nous craser clôture. Okay. On a grandi terrain par Emmanuel TV. Nous pas dit Emmanuel TV pour le craser avec main par nous. Nous-mêmes, nous avons crasé par Emmanuel TV terrain pour faire l'hôpital. Parce que sans l'hôpital, pas de gens sous la terre. Et la terre arrête pour contre lui. La vérité pour contre lui, pas de gens sous la terre. C'est santé pour les gens. C'est l'hôpital pour nous gagner. Emmanuel TV n'a pas besoin de peur. Parce que terre, ça, c'était pas nous. Et ça, Emmanuel TV vient faire, si magistrat a pensé le parlant intérêt, il chire, Emmanuel TV vient travailler pour tout haïtien, pour toute communauté. Emmanuel, nous aimons en pile, parce qu'on aime nous en pile. Et nous-mêmes, nous avons fait tout ça, nous connaissons
pour Emmanuel est avec nous. Emmanuel, c'est qu'on n'a pas qu'on soit fait dans la communauté Akaya pendant un petit temps. Emmanuel, nous pas jamais qu'à finir de qui soit fait pour nous. C'est bon Dieu seulement capable de qui soit fait pour mon Akaya pendant. Normalement, mon nom est Chris Megerloth et je suis de l'Akaya, âgé de 32 ans. Je suis avocat de formation et je suis également étudiant en sciences politiques et directeur de la bibliothèque municipale Pradel Pompilus de l'Arcaillé. Et nous saluons la présence de Emmanuel Tivi à l'Arcaillé. Saluons Pasteur Tibi Joshua et la population de l'Arcaillé vous salue et que nous vous remercions pour ce service hors pair que vous donnez à l'Arcaillé. Et je me fais le porte-parole de Emmanuel Tivi à l'Arcaillé juste pour défendre la position de l'Emmanuel Tivi vu le service qu'ils nous ont donné et que depuis leur arrivée à l'Arcaillé, ils nous donnent pas mal de soins, et surtout en matière de santé, ils nous donnent pas mal de soins en faisant pas mal d'accouchements et en faisant de la population de l'Arcaillé. Nous disons un grand merci à Emmanuel Tivi. Nous n'avons pas un centre hospitalier à l'Arcaillé. Emmanuel Tivi va nous donner, va implanter à l'Arcaillé un centre de santé répondant aux normes internationales. Et que souvent, quand on est malade, surtout pour faire des accouchements, quand les femmes enceintes sont en train d'accoucher, elles se sont obligées de rentrer à Port-au-Prince, soit aller à Saint-Marc et dans un autre département pour faire un accouchement. Mais aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, Emmanuel Tivi va nous donner un hôpital. Merci à Emmanuel Tivi. Emmanuel Tivi, Haiti Earthquake Relief.